Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 14e partie sur un let's play de Spyro Hero's Tale sur Nintendo GameCube. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait terminé à peu près le niveau du village de Frostbite. Hein. Souvenez-vous, il me manquait la porte à 95 gemmes qui était toujours verrouillée, hein, puisque je n'ai pas encore les 95 gemmes. On avait également battu Red, donc dans la chambre de Red. On a réussi à avoir le quatrième souffle, le souffle de glace. On a également commencé tout doucement le niveau de la plage des tempêtes, bon, qui est assez court, hein, c'est un niveau qui est assez court en soi. Et aujourd'hui, bah, on va essayer de finir cette plage des tempêtes. Et puis peut-être qu'on fera peut-être un peu de backtracking pour commencer. Voilà, parce qu'on a aussi pas mal de backtracking à faire. Hein. Mais bien sûr, allons-y, c'est parti. Là, il me semble en plus que cette mission-là, c'est la dernière mission qu'on va faire avec Spyro. Allez, c'est parti. En dessous, au-dessus. Oh là 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 là. Il y a du monde au balcon. Ça va être l'enfer, hein. Donc le but, hein, si vous l'avez pas compris, c'est que je dois empêcher les Niorques de s'échapper et qu'ils passent derrière moi. Oh là 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 là, attention quand même. Voilà, vous allez voir, ça va être très vite le bordel. Hein. Vous le voyez là, tous les points blancs. C'est très vite casse-pied. Oh là là, oh là là, oh là là, calmez-vous les gars. Calmez-vous les cocos, calmez-vous. Voilà, et le but, bah, c'est de remplir la barre verte avant... Que la barre rouge ne se remplisse. Hein. Si la barre rouge se remplit avant, c'est mort. Hein. C'est mort. Pour l'instant, ça va. Je suis pas trop mal. Voilà, c'est bon. C'est gagné. Parfait. Bon, c'était pas très compliqué. Hein. J'ai envie de vous dire. Ok, merci déjà pour l'œuf de dragon. Et maintenant, direction la gemme lumineuse. C'est parti. Allez, le retour. Allez, c'est parti. Voilà, c'est surtout, j'ai envie de vous conseiller, surtout au début, d'essayer vraiment essayer de tuer vraiment un maximum d'ennemis parce que vers la fin, vous l'avez vu, ça devient vite le bordel. Voilà, donc surtout si au début vous pouvez tuer un maximum d'ennemis, c'est mieux. Ah, parce que là, cette fois-ci, la barre rouge va se remplir de plus en plus vite, donc j'aurai moins le droit à l'erreur. Oh là là, ce bordel! Quel bordel! Et reste là, toi. Le problème, c'est les petits, quoi. Les gros, encore, ça va, j'arrive à les contenir. Mais les petits... Allez contenir les petits, quoi. C'est super chaud. Allez, allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Et on y est presque. C'est bon. Parfait. Et encore une mission qui se passe sans encombre. Ça c'est bien parce que les missions avec Spyro, c'est celle vraiment que j'aime le plus, donc ça va. Excellent. Est-ce aussi bien que si je l'avais fait? Je suis certain qu'ils reviendront. Vous pouvez venir défendre le royaume quand vous voulez. Mais je n'ai plus rien à vous donner. «
Voilà, excusez-moi, vous l'avez peut-être entendu derrière, mais il y a le téléphone qui sonne. Encore des pubs, comme d'habitude. Ça faisait longtemps, ça, que le téléphone n'avait pas sonné, tiens. Ça faisait longtemps. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je dois aller chercher la gemme sombre qui se trouve un peu plus loin. On va ramasser un petit peu les jeux qui traînent ici et là. Voilà, on va aller détruire la gemme sombre qui nous manquait là, puis après on ira chercher le... On ira faire du backtracking, voilà, ça y est, ça me revient. Par contre, d'où qu'elle est cette gemme sombre, je ne sais plus. Non, je suis complètement redescendu. Faut que je passe où, moi? Je sais même plus où est-ce qu'il faut que je passe. Ouais, il faut que je prenne les plateformes en haut, hein. Comment je les prends, moi, ces fichues plateformes, déjà? Je ne sais plus. Sur le tutu, chapeau pointu. Alors... Bon, déjà, il faut passer là-bas, ça, c'est sûr. Oh, mes spiraux. Allez, monte. Monte, petit dragon. Voilà. Tombe pas, hein. Tombe pas. Voilà. Et c'est... Ouais, c'est ça, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Voilà, il faut que je passe par les... Par les draps, c'est ça. Par les voiles, comme vous voulez. C'est ça. Non, non, mais... Mais non, mais tu te fous de ma... Oh, tu te fous de ma gueule, mon Spirou. Tu te fous de moi. Je t'aime beaucoup, mais là, tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Ah, sérieux? Voilà. Allez, vas-y là-bas, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas assez au bord. Allez, voilà. Allez, bien. Ouais, donc là, ici, il faudra que je fasse attention. Putain, ces ennemis avec leur hache commencent vraiment à m'énerver. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, des joyaux. De toute façon, il n'y a plus de gemmes lumineuses ni d'œufs à choper. Donc c'était un peu sûr et certain. Alors la fusée. Ok, c'est pour derrière, bon. De toute façon, j'ai largement de quoi. Hop. Ouais, il faut que je passe là-bas, je crois. Hey. T'es mauvais, toi. Et par où il faut que je passe, par contre? Là, j'ai tempête. Ouais, il faut aller tout droit. Par contre, pourquoi il y a un truc ici? Ça m'emmène où, ça? J'ai un doute. Ça m'emmène où, ça? Ah oui, c'est pour atteindre le coffre qui est là-bas. Oui, mais j'ai pas besoin d'atteindre le coffre. Voilà, parce que je vous remontre. Voilà, juste ici, j'ai déjà les deux œufs et... Aïe. J'ai déjà les deux œufs et les deux gemmes, hein, donc j'ai pas besoin d'y retourner. Alors là, ici, attention au trou. Hein. Voilà, pas de gemmes sombres, c'est trop moche. Voilà, et là, voilà la gemme sombre. Passe à 31. Voilà, donc maintenant je peux vous montrer. Voilà, plage des tempêtes, niveau terminé. On peut maintenant avancer. Alors par contre, moi ce que je vais faire, c'est essayer de retrouver Gros Sou, et une fois que ce sera fait, on fera un peu de backtracking, hein, comme je l'ai dit. Parce qu'on a du backtracking à faire. Évidemment, si je me foire dans des petites crevasses, ça le fait pas non plus. Ok, toi tu sais pas viser. Voilà, il sait pas viser. Le couillon ne sait pas viser. Excuse-moi, je fais que passer. Hein. Allez, vas-y, mon Spiro. Allez, monte. Voilà. Oh putain, je pensais être juste, mais non, c'est bon. Allez, vas-y, fonce. Par contre, je vais pas retomber dans le trou, voilà, qui était là. On va pas faire deux fois la même erreur, ça serait bien.
Alors. La fusée, c'est pour quoi? Ah, c'est pour là-haut, d'accord. Bon, si vous voulez. Donc, tout ça, je prends. Salut Zoé. Grosso n'est pas là? Il est plus loin. Il est plus loin. Par contre, pourquoi j'ai la supercharge? Je comprends pas. Non, c'est pas une supercharge, c'est un truc d'invincibilité, je crois. Mais si on va passer ici et là, voilà. On va éviter de se faire cramer le cul. Très bien. Ah oui, alors là, ici, il va y avoir des petits diablotins. Attention, recule. Ok. Ouais, par contre, c'est pas terrible. Parce qu'il me semble que les diablotins... Il me semble que je peux pas les tuer, je crois. Il faut une boule de glace, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on va retourner... On est en arrière. Voilà. On va aller voir Grosso de l'autre côté. Je pense que ce sera mieux. Parce que là, je n'ai pas de boule de glace ni rien. Enfin, de boule de glace. Enfin, je n'ai pas ce qu'il faut, en fait. Ouais, j'ai absolument pas ce qu'il faut. En fait, ça sert à rien que je vienne là d'abord. Il faut vraiment de quoi m'équiper. Ah, j'aime pas faire le tour pour rien, ça m'énerve. Tu vois, je fais vraiment tout ça pour rien et c'est super chiant. Bon, c'est pas grave, on repart ici. J'espère pas trop me foirer parce que sinon je vais être dans la merde. C'est le cas de le dire. Voilà. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Voilà, merci Zoé. On va faire demi-tour. Si je peux passer. Voilà, merci. On va remonter et on va aller retrouver Grosso là. Grosso, j'ai besoin de tout, oui. What? D'accord, à peine je me mets les pattes dans le feu, je crève quoi. Ok, bon si vous voulez. Oh mais putain. Mais non, mais... C'est ridicule ce truc. Mais putain. On se prend à peine les pattes dans le feu, on crève. Putain, mais sérieux. Bah, c'est bon là, je me prends pas les pattes dans le feu. Bon. Ça suffit là. Voilà. Arrête de faire demi-tour. Voilà. Là y est, on a retrouvé le chemin. Alléluia. Allez, on repart direction le premier monde et on va essayer de le finir à 100%. Je crois que j'ai assez en plus. J'ai combien de joyaux? 69. 69. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que je peux le faire. On va aller vérifier. Allez, retour au royaume des dragons. Et on va aller chercher ce qui nous reste. Alors, Royaume des Dragons, on était bon. Salut Grosso, fais-moi téléporter s'il te plaît. Tiens, d'ailleurs, il me faut ça. Alors, marée, chute de Dragonfly. Oui, il manquait pas mal de choses. Hein. On va aller. Ouais, on va aller direction le temple secret. Car là-bas, j'avais encore des choses à faire. Et si on peut y aller, on y va. Voilà, dans ce temple là où j'ai. Je suis pas encore été là. Par contre, ouais, la porte est toujours fermée. Comment c'est possible ça? Comment elle s'ouvre cette porte déjà? Comment je. Où j'éteigne? Comment j'entre dans ce truc déjà? Je sais même plus comment je rentre. Comment je rentre là-dedans déjà? Je sais plus. C'est le souffle aquatique peut-être? Atteindre des flammes? Non.
Comment? Comment je fais baisser ce truc? C'est pas ici, c'est ailleurs. Aïe. Mais non. Ouais, dégage. Comment j'entre à l'intérieur? Je sais même plus comment je rentre. Ah, avec ça. Voilà. Parfait, voilà, c'est bon. Ok. Aïe. Voilà, c'est bon. Ok, un œuf de dragon, ça je prends. Très bien, on passe à 55. Hop là. Ensuite en face, ouais, là il va me falloir le souffle électrique. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est où le chemin? Voilà. J'aime bien vous avez trop cuté, moi les cocos. Y'a rien ici? Non, y'a rien. Ok, on remonte. Par contre, j'ai vu le voleur hein, là-bas, vous inquiétez pas. On prend le souffle de feu. Et oui, il est là. Voilà. Tu iras pas très loin. Et tu me donnes ton œuf. Voilà. Ça, c'est à moi, ça. Ok, on passe à 56. Par contre, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc, on repart. Par là. Et là en face, il y a... Oh là je... Oh les, calme-toi toi. Voilà, car en face, vous voyez, il y a une gemme lumineuse. On voit très distinctement. Voilà. Le problème, c'est qu'en prenant cette gemme lumineuse, bah voilà, j'ai activé une sorte de piège. Qui fait apparaître des ennemis qui font apparaître... et qui font activer d'autres... d'autres mécanismes. En plus, il y a même un éboulement, c'est pour vous le dire. Voilà, très bien. Alors, je crois que c'était tout ce qu'il y avait à faire dans ce temple. Oui, par contre, il me manque une gemme et un œuf. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fouillé, là? En face, une grosse tache noire. Qu'est-ce qui me manque ici? Excuse-moi, j'ai fait que passer mon gars. Ça, je l'avais fait, hein, on est d'accord. Oui, je l'avais fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Là-bas? Non, j'ai fait là-bas. Qu'est-ce que... Oula. Calme-toi, toi. Là-bas, je l'avais fait. Qu'est-ce que j'avais oublié? Ouais, là c'était la zone de Blinky, je l'avais faite. En face. Ouais, en face c'était la zone du dragon. Ça, je l'avais fait, ça. Ouais, ouais, ça, je l'avais fait, sans problème. Puisqu'il n'y a plus rien ici. Là-bas? Attendez. Salut. Qu'est-ce que j'avais zappé? En tout cas, c'est sûr, j'ai zappé quelque chose, hein, vu qu'il me manque des trucs. On est d'accord, j'ai raté quelque chose. En face, là. Non, il n'y a rien, c'est des joyaux, ça. Ah mais oui, qu'il est bête, ça, et ça me revient. Mais oui, oui, oui. Mais oui, je sais qu'est-ce que j'ai oublié. Puisque quand j'étais venu là la première fois, je n'avais pas encore la supercharge. Et maintenant je l'ai. C'est ça qui me manque.
Par contre, il faut que je retrouve l'endroit. C'était où? C'était là? Ouais, ça doit être là-bas. Oui, oui, c'est bon, les araignées. J'ai pas besoin de vous, merci, au revoir. Oui, ça c'était la zone avec la grenouille là. C'était pas là non plus que je devais me rendre. C'était là-bas, hein. C'était ici. Oui, c'était là. C'était là. Dégage, toi. Elle est où la supercharge? Elle est là, voilà. Parce qu'avant, je n'avais pas encore la supercharge. Et maintenant, je l'ai, cette supercharge. Donc, je vais pouvoir aller chercher le reste. Notamment, il y avait une porte qui était fermée. Je crois que c'était ici. Voilà, juste là. Hop. Voilà, d'ailleurs, se trouve une gemme lumineuse. Ça, c'est très très bien. Mais il me manque toujours un œuf, hein. C'est ça? Oui, il me manque un œuf encore. Où est-ce que j'ai raté un œuf de dragon? Ça m'étonne de moi, hein, que j'ai raté un œuf de dragon quelque part. Bon, sinon je vais pas chercher longtemps, hein, je vous le dis, je fais juste un petit détour. Mon Dieu, mais pourquoi Spirou fait des demi-tours comme ça? Une fois, tu te poses la question, hein. Qu'est-ce qu'il y avait par là-bas? Aïe, c'est pas grave. Mais non, ici, je reviens au temple. Non, c'est pas là. Oh, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que j'ai raté comme œuf? Ça alors? J'ai raté un œuf quelque part, d'accord. La question c'est où? Où j'ai pu rater un œuf? Mystère. Bon écoutez, ça m'embête d'aller le chercher. J'irai le chercher, pas de mon côté, mais je vous montrerai l'endroit où je l'ai raté. Dégage-toi. J'essaierai de vous montrer l'endroit où je l'ai raté et puis j'y retournerai si jamais je le vois un moment. J'y retournerai puis je vous montrerai où je l'ai raté. Ah, une boule de feu, ça je prends. Bon, mon cher gros sou. J'ai besoin de toi, mon coco. Alors, marée, non. Chute de Dragonfly, oui, il manquait des choses. On va aller ici. Dans la caverne. Et on va aller chercher ce qui nous manque. Parce qu'il nous manque aussi des choses là-bas. Hein. Alors, dans le marais. Dans les chutes, pardon. Il nous manquait quelques petits trucs. Déjà, je sais qu'il me manquait. Une gemme lumineuse, oui, qui me manquait au niveau du wall jump là où j'avais pas pu y aller la première fois parce que je ne disposais pas du wall jump encore à ce moment là. Saloperie, dégage. Et il me manque aussi une gemme et un œuf qui me manquaient au niveau du comment au niveau de la porte qui était verrouillée. Voilà, ça y est, je vais y arriver. C'est dur de jouer tout en parlant, hein, je m'en excuse encore. Voilà, donc il y avait voilà, une gemme lumineuse qui était là-bas. Ça, je me rappelle très bien. Voilà. Impeccable. Et l'autre... par contre, est-ce que j'ai assez de gemmes? Ça, j'ai un doute. Je sais plus à combien c'était. Je crois que c'était à 70, non? Vérifier. Il nous manque quoi? Ah non, il me manque encore deux gemmes lumineuses. Mais elle est où l'autre? Alors il me manque un œuf 10. Un œuf et une gemme. Bon, l'œuf et la gemme chez Wisson. Mais il me manque encore une gemme lumineuse. Qui est cachée je ne sais où. Ah, c'est un gros point d'interrogation là. Vas-y, fais-moi monter. Tout doucement, bah, je tiens pas à mourir. Ce serait le comble. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, pardon, c'est pas ça que je lui montrais. Non, là je reviens en arrière. C'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est de l'autre côté.
C'est de l'autre côté. Qu'est-ce qui me manquait là-bas? Salut Zoé. Qu'est-ce que j'ai oublié? En tout cas, il y a un truc que j'ai oublié, ça c'est sûr. La question c'est quoi? Non, là, il n'y a plus rien. On est d'accord. Voilà, donc la porte verrouillée était en haut, hein, si vous vous rappelez. Il me fallait combien? Je sais plus. 70 gemmes, ouais, c'est ça. 70 et j'en ai 72. Donc c'est parfait. On va pouvoir accéder à ce passage. Alors. Salut les cocos! Comment vous allez? Comment je vais de l'autre côté? Pas comme ça en tout cas. Puis il y a gros sou qui m'attend. Non, non, calme-toi, toi. Pas besoin de toi, tu te calmes. Comment je vais là-bas, moi? C'est bien là-bas qu'il faut que j'aille. Ouais, ouais, c'est bien en face. Comment je vais là-bas, moi? Pas comme ça. Si? Non, non, je peux pas y aller comme ça. Ah, par là, punaise, j'ai pas vu. Derrière la cascade, oui, j'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Ah, on y retourne de suite. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille, derrière la cascade. Voilà. Il est là, mon gros chou. Eh ben, mon gros chou. Voilà, rends-moi toute ma santé, s'il te plaît. Ça m'arrange. Merci. Mais d'ailleurs, le problème, c'est que malheureusement, je vois qu'on s'approche des 30 minutes, donc je vais devoir m'arrêter là. Tiens, toi. Où t'es parti, mon chat? Viens ici. Allez, le temps que je le capture, lui, on va aller faire la petite conclusion comme je fais à l'accoutumée. Allez, donc c'était top donc pour cette 14e partie sur le Let's Play de Spyro et Hero's Tale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour l'épisode suivant, bah, je pense qu'on essaiera de continuer le backtracking. J'essaierai de voir où est-ce que j'ai raté ce qui me manque là, parce que ça m'étonne vraiment qu'il me manque autant de trucs. Mais bon, passons, hein. Il me manque des trucs. J'aurais pas cru, mais bon. On ira, j'irai m'enseigner, voir un petit peu où est-ce que j'ai raté des trucs. Voilà, la dernière gemme lumineuse, voilà, avec, trouvée derrière la porte se trouve là. Voilà. Impeccable. Je fais quand même le tour, mais non, c'est pas ici qu'ils sont. Non, c'est pas ici qu'il est. Il doit être quelque part, mais je ne sais plus. Voilà, allez, je m'arrête ici. Et en attendant, bah moi je vous dis... à la prochaine tout le monde !